Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Days Gone. Bon visionnage. Voilà. Allô, allô. Excellent. Hey, Deacon. Je vais t'ouvrir. Merci. Ah, mais démarre ici. Attends, attends. Je peux m'utiliser dessus, pourquoi? Excellent travail. Mais il tue des gens, il ramasse pas. Il va falloir que je m'habitue à plus souvent ramasser des trucs ici parce que j'ai besoin de thunes chez nos amis. Il faut pas exagérer non plus, je veux pas. Ah yes! Petit nitro des fameux. Ah, je loupe un arbre. Est-ce que c'est un que j'ai fini? Rendez-vous au dernier emplacement que nous n'avons jamais repris. Mais celui-là, là. Je vais aller voir. Ah bah, c'est 6-5, j'ai pas encore fait. Les gars, c'est quoi ce bordel? Mince. Et pourquoi quand je fais ça? Ah. Mais y a rien là. Je peux pas monter. C'est quoi cette arnaque? Ah. What? Ah, fils de pute. Voilà, ok. Donc, ils sont tous après moi. Yes. Charger pour un peu, bam. Ah, oh putain. Ah, mais il y en a combien? On court un peu. Qu'il fallait un arbre. Merde. J'ai plus d'endurance. Normalement, il me touche pas quand je marche comme ça. Hop.
Ah merde, j'en ai eu un autre. Ok. Ah putain. Ok, maintenant... On ferme là. Hop. Merde, je vais louper. Ils sont cons ou ils sont cons? Oh merde. Il y en a un troisième, attention. Attention. Ah mais putain, j'arrive pas à la viser. Elle me fout dessus. Quoi? Bon. Fiu! Salut. Attends, attends, j'arrive. Hey, c'est dangereux le No Man's Land. Écoute, je connais un camp. Un camp? Où? Où? Ferme là, laisse-moi t'expliquer. Ah oui, alors. Là, c'est... Oh putain, ok, mais là, maintenant, c'est... Hot Springs, je reçois seulement 200. C'est pas ouf. Copland, c'est 500-100, et l'autre, c'est 1000. Allez, on envoie chez Iron Mike. À Lost Lake, par la Ricky Patel. Elle te fera entrer. Oh, bordel de merde, je... Je croyais que c'était la fin. Ben, c'est la fin, mais... Toi, t'as un peu de chance, encore. Y'a pas de problème. Par contre, il y avait énormément. Continue à courir et te fais pas repérer. Fou. Par contre, là, il faut absolument que je trouve du bois. Ah bah tiens, on parle de bois. Ok. Ok. Par contre, j'ai. J'ai plus de fer. Enfin, plus de ferraille. Attends. Peut-être que là-dedans. Ouais, je les entends, mais ils doivent être trop loin pour mon radar. C'est une bonne chose, en vrai. Enfin, c'est pas énorme, mais... Ça y est, ça se rapproche. Je suppose qu'ils ont entendu le bordel. Je pense qu'ils sont en dessous et qu'ils peuvent pas forcément monter. Enfin, je les vois pas monter. Ça peut m'être utile. Ah! En vrai, est-ce qu'on ferait pas un petit test? Allez, au revoir. C'est dommage, j'en ai tué plein. Faudrait que je retienne l'endroit et que je revienne. J'ai quand même loupé. Hein. Oh là, j'ai envie de me couper une couille. Okay.
Ils étaient deux. J'en ai foutu deux en l'air, mais au moins je les ai mêlés, donc c'est comme si c'était rien passé. Un trou juste ici. C'est en face de moi. Mais c'est pas possible que je l'ai loupé! C'est en face de moi. C'est ça. Ah, c'est là. Je le vois. Aïe! Il y a des carreaux que j'ai foiré complètement. Ok. Oh, ouais. Voyons ce qu'on a ici. À trouver. Ok. Ah, quand même. On n'a jamais assez de trucs. Il faut absolument que je retrouve du bois. Hein. Et de la ferraille. Allez, on va suivre les pas. On va profiter aussi pour cueillir tout ce qu'on peut, tout ce qui est dans les parages. Là, il y a un mort là-haut. Tout bas. Okay. On a des ennemis pas loin. Là, il y a un ours. C'est très très proche là. Mais c'est incroyable à quel point je suis nul. Mais incroyable. Je loupe toutes les fléchettes. Un œil au camp Drifter près de l'autoroute. T'as plus d'infos? Pas énorme. Ils ont suivi un de nos ravitaillements. D'un peu trop près. J'ai envoyé un gars voir de quoi y retourner. Il est jamais revenu. T'as envoyé personne à sa recherche? Si. Un certain Deacon St. John. Terminé. Bon. Par où? On avance. Là, tu m'as pas vu. Mais quoi? Mais pardon! Là, je suis désolé, mais à quel moment il n'est pas mort? Putain. Ça, c'est chiant, par contre. Voilà. Encore un mort? Gars. Yeah. Son visage est bouffé. J'entends une moto. J'entends plus de moto. Attends. On va prendre un normal. Comme ça. Regardez les trousses de secours.
en cas de haute nécessité. Okay, c'est bien en face de moi. Je vais regarder ça de plus près. Ah, c'est, je vois. Comme ça, on ne fera rien. Je ne sais pas combien d'ennemis il y a. L'autre, il va commencer à tirer, ça va attirer les gens. Il y a un qui arrive là. De la chance, il ne verra pas. Il ne m'a pas vu. Je sais pas où est-ce que l'autre il est. Hein? Ah, ça y est! Arrêtez. Ils sont tous morts. Chut, la ferme, je vais te libérer. Quoi? Vous êtes pas. C'est Copland qui m'envoie, allez, debout. Oh, mon Dieu, merci, merci. Allez. Ils nous ont suivis en mission de ravitaillement, je savais pas quoi faire. Hé, hey, tais-toi, tu peux courir. Hein? Ouais, ouais. Alors cours, vas-y. Alors, je dirai à Copland que vous m'avez sauvé. Évidemment, j'espère bien. Excellent travail. J'adore ces petites fléchettes de résidus. C'est excellent. Plus 3950, mais ça, c'est excellent. Et de l'argent. Protéger les plus faibles. Excellent travail. Ah, il faut que je fasse gaffe parce qu'il y a des pièges à nous. Sur le sol. Je vais quand même aller. Mais ils étaient que trois après, hein, tu vas me dire. J'ai dû juste mettre une tête. Voilà. Ah, ils sont pas là. Je sais pas pourquoi. Pas. Alors attends, que je regarde un peu. Là il y a ma moto. Là il y a le site de recherche généraux où je vais aller.
Et ça, c'est, je me souviens, rouler pour rejoindre vrai. Ah oui, ça, c'est le truc. Donc, ça me met automatiquement la quête là, même si je veux pas forcément la faire. Et là, c'est le camp de Copland qui est vraiment juste à côté de là où je suis, en fait. Récupérer votre moto. Tout va bien. Moi, je vais aller là. Et la moto, elle est à mi-chemin. Donc, je vais d'abord aller récupérer la moto. Ensuite, je vais essayer de rejoindre le camp de Nero, là, parce que je veux voir si c'est un jeu. Je pense pas que je l'ai déjà fait. Si je l'ai pas fait, il y a peut-être... Mais pourquoi il meurt plus? Pourquoi ça meurt plus tout de suite? Je veux mettre deux flèches maintenant à chaque fois. Il va falloir que j'apprenne à viser la tête. C'est assez terrible. Ah merde. Attends. Parce que moi, j'ai une machette. Ouais. C'est quoi ça? J'ai vu quelque chose. Par contre, ça c'est de la machette, hein. Pourquoi ma moto elle est sur le côté? Qui a touché à ma moto? Putain, bon, mon foie. Ok. J'ai rien vu. Vous avez rien vu. Personne n'a rien vu. Cela, je vais pas réussir à monter. Je vais essayer de faire le tour. Aïe! D'accord, on peut pas faire le tour par là. Ah, c'est bien ce que je pensais. Il y a un arbre. Il est vivant. Tout juste. Il est à pied. Tu ferais bien d'envoyer quelqu'un récupérer. Merde. Vise, je dois me casser de là. Tout ça parce que je voulais juste l'arbuste. Fais le plein. Ah, mais il y a un autre otage ici. Ça va aller. Tu vas te faire tuer dehors. Je connais un camp où tu seras en sécurité. Je comprends. Ah, quand même. Alors, bah non, on en a envoyé un partout. On en a envoyé un à Hot Springs, on en a envoyé un à Copland et maintenant un à Evan Mike. Est-ce qu'on fait juste le tour? On va faire ça, hein. En direction du mont Threefinger Jack, trouve Salomé Hot Springs et parle à Alkai Turner. Il va t'aider. Oh.
Ferme-la, ferme-la, tais-toi, dégage, dégage, tu m'énerves. C'est bon. C'est bon, tu dis rien. Garde la tête baissée et cours. Bon. Il n'y a plus personne ici. C'est là où j'avais fait le petit carnage à la dynamite. Par contre, j'ai un problème d'essence là. Mais un gros problème d'essence. Alors. Dans le caca. Seul espoir que je peux avoir, c'est que là où il y a censé être un campement de vulnéraux, qui est de l'essence. Pas monter par là. Tu vois, il y a de l'essence là-haut. Je peux pas monter par ici. Tu vois, juste là. Le campement, il est juste là. Mais je sais pas comment arriver là, parce que j'ai fait le tour en moto et je trouve rien. Il veut pas un peu grimper. Il veut vraiment pas faire d'effort. Hein. Il fait aucun effort. Celui-là, il pourrait grimper. Là, par exemple, ici aussi. Mais il fait pas d'effort. Là, il pourrait grimper. C'est tellement chiant, les gens qui font pas d'effort. C'est insupportable. J'ai fait le tour d'un côté, à essayer de faire le tour de l'autre. Sauf que là, on est à pied. Ah, j'ai presque cru. Hein. Tu crois qu'il faut que je saute ici comme ça en moto? Si c'est ça, je suis foutu. J'ai plus d'essence. Mais je crois que c'est ça. Hein. Ouais, je peux pas faire le tour à pied. Donc va falloir que je trouve de l'essence à pied. Ça va être chaud. Plaque historique. Je suppose qu'il y a marqué place historique, c'est parce que je l'ai déjà. Il y a de l'arbre, on va prendre l'arbre.
à regarder au cas où. Je savais pas. Ah bah non, je n'ai pas encore venu ici. Ah cool, donc ça m'affiche qu'il y en a une là et ensuite ça, ensuite elle part. Ça c'est bien ça. Comment ça se fait qu'il y en a encore? Je suis au max? Ah! Ça, c'est bien, ça. En fait, là, il y a juste un camp. Je me demande si j'arrive au camp, est-ce que je peux rapatrier ma moto? On va aller voir. Vu qu'on est à côté. Avec du bol. Faire attention, hein, parce que la dernière fois, on a fait un petit saut, on est mort. Voilà. Il y a quelqu'un à l'entrée. Voilà. Vous allez ouvrir, oui. Je le connais, laissez-le passer. Merci. J'étais en classe quand c'est arrivé. Un peu d'essence. Récupérez votre moto pour 50. Oui. Faire le plein. Ouais, on s'entend. Yes. Faire le plein. C'est ça être un drifter. Ok mon pote. Voilà. C'est la dure loi de la panne d'essence. Ah bah là encore. On va faire ça. Ouais. Te voir, Dick. Ouais, c'est sympa de me voir aussi. On est arrivé à bon port assez facilement. Technologie. Oh, excellent. Oh. Plus 5. Bah, tu sais quoi, même si on vient de faire le plein, c'est dommage qu'on peut pas lui dire fais un peu le plein. C'est juste 20%. Plus. Allez, on va prendre concentration, utiliser pour accroître. Ah oui, mais maintenant, maintenant on en a besoin de ça. Ça m'aidera à rester vigilant. Vous avez vu le tableau de service de la semaine prochaine? Non, pourquoi? Ouais, notre équipe va être de ramassage du côté de Dead Coyote. Oh merde, sérieux? Comment j'ai pu passer à côté de ça? C'est pas sur notre route. J'en sais rien, j'irai bien vérifier auprès du commandant, mais c'est ce qui est écrit. Fais chier. C'est pas mon itinéraire. Ah, tu m'étonnes, moi non plus. Pas vraiment. Vous changez tout le temps d'itinéraire. Moi, j'ai des arrêts précis à faire. Des échantillons à analyser rapidement. Des pièges à vérifier. Hé, hey, allez dire ça au commandant. C'est pas moi qui fais les emplois du temps et qui choisis les rotations. Mais moi, si. Merci de m'avoir prévenu. Carrément, pas de soucis. Eh ben, j'ai l'impression que t'as plus à t'inquiéter pour le tableau des tâches, hein. Quel canard, mais il a raison. Alors, viens voir. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Ah, bien, exécuter un contrat pour Tucker.
Allez. Localise. Ah oui, Limbo. On se souvient de lui. Enfin, on se souvient. Je me souviens avoir obtenu cette quête. Cette mission. Ah non, j'en ai déjà. Je suis déjà fou. Oh là 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 là, mais quel pilote! On peut dire que le premier move était bien nul à chier, mais... Et le move pour se rattraper du mauvais move était magnifique. C'est bien joué. Plus? Oh là 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 là, mais quel pilote! Je suis trop fort. Non, 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 c'est en toute modestie que je dis ça. Dans la cabane, il n'y a rien d'intéressant. Ah bah attends, si j'ai une idée. On va se mettre bien. Hop. Voilà. Checkpoint de voyage impossible d'une station trop proche. J'ai déjà nettoyé cet endroit. Pardon. Ah bah oui, il y a la petite étoile. Sinon il y a une sorte de X. De pansement. J'ai ce qu'il me fallait, un ours. Aïe. Aïe aïe aïe. Apparemment à l'intérieur il y avait un ours. Ça on l'a pas vu, on est bien. J'ai bien parce que tu peux. Oh non. Putain. Bon, qui veut me tester maintenant? Moi, le problème, c'est que ma moto, elle est cassée. Parce que c'est de la défense en 2-2, cette connerie. Après, c'est des cons, ils étaient en mêlée, donc je me suis dit que j'allais pas perdre des balles pour rien. Mais ils font sérieusement chier. Par contre, j'ai perdu beaucoup d'HP. Bon, j'avoue, on a quand même pas mal de ferraille maintenant, mais quand même, je veux dire, c'est chaud. Surtout quand t'as un moto, tu peux pas l'éviter, ça. Si tu te doutes que ça va tomber dessus à un moment donné ou à un autre. Après, il y a peut-être des signes, tu sais, un moyen de le supposer. Je sais pas. Préparer le moteur. Faire une petite sauvegarde rapide. Ouais, ouais.
Ah oui, c'est vrai, bah grâce à notre précieux skill, on n'a plus besoin d'autant de. Fou, bon. Comment ça il m'a touché? Eux ils sont armés par contre. Putain, mais c'est la fête ou quoi? J'ai jamais eu autant de mecs qui me aggro comme ça. Ça, par contre, c'est cool. J'avais pas essayé la dernière fois. Alors, j'ai vu qu'il y avait plein de plantes et plein de trucs ici autour. Donc on va faire la cueillette. Par contre, en fait, ce qui est chiant, c'est quand tu es sur la moto, tu vois tout ce qu'il y a autour. Et quand tu es là, tu vois plus rien. Enfin, plus rien. Qui est un tout petit peu distant. Et du coup, c'est chiant. T'as tout de suite plus envie. Tu crois que tout est à côté, en fait, pas du tout. Tout est hyper loin. C'est la gare. On a fait un peu de cueillette, c'est toujours bien. Ah, il y a une plaque par là, on va faire un petit. Allez, viens! Nous sommes prêts pour la délivrance! Ah, attends! Il y avait un ours de l'autre côté quand même. Au secours! Aidez-moi! Par contre, j'ai jamais vu autant de mecs et c'est. Ça, c'est incroyable. Bon, tu me dis ou quoi? Je vais te sortir de là. Tu veux crever là dehors? Écoute, il y a un camp. Non, non, non. Où ça? Je vais y aller. Peaceful Lake, Mark Copland. C'est un lieu sûr. Ah, merci infiniment. Il n'y a pas de quoi, dégage. Ouais, t'as toujours la même gueule d'ailleurs, c'est toujours le même en fait. C'est toujours le même qui se fait avoir. Oh putain! D'accord, ok. D'accord, ok, j'ai compris, c'est un peu plus fort.
Oh putain, mais il est trop rapide! Aïe aïe aïe! Je sais pas quoi faire. Ah mais putain! Meurs à un moment donné. Mais je lui ai mis une tête. Mais putain. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Oh putain. Mais c'est incroyable, il meurt pas, putain! C'est pas possible, il s'est pris un milliard de balles! 1000 coups de couteau, c'est pas possible, il peut pas encore vivre! Ça suffit maintenant! Putain! Mais au bout d'un moment, c'est chiant! Pas du tout abusé. Je veux bien qu'un... Que c'est fort, mais quand même, faut pas... À un moment donné, stop. C'est bon à savoir. Ah cool, en plus j'ai récupéré mon carreau. Quelque chose dans ton coffre, quoi. Je trouve incroyable qu'il sait qu'il n'y a rien alors qu'il n'a pas encore rien. Pour moi c'est pratique, ça me permet de pas devoir revoir. Ok. Je veux rien dire, mais... Hey, Doc, je suis arrivé. Ouais, Mimo et sa bande ont bien investi les lieux. Ils sont comme chez eux. T'as dit qu'il avait le visage balafré, mais... Il m'en faut plus. Qu'est-ce que tu peux me dire d'autre? Il a un manteau vert. On dirait un putain de lutin du Père Noël. Amène-moi son démonte pneu, dit comme Saint John. Et je veux voir des morceaux de sa sale gueule dessus. C'est compris. Mais quoi? Putain, mais le mec, il vise tellement vite. Thank you.
sais pas combien de mecs il y a, mais... Je vais aller piller l'autre meuf. Ça sera fait. Elle a peut-être des munitions parce que j'en ai vraiment plus beaucoup. Un tuyau, bandage. Enfin, un bandage. Ah, il y en a un qui s'est pris un piège. Mais ils sont cons, c'est eux qui les posent, ils savent même pas où ils sont. Ils sont... Te voilà. Faut que je prenne de la hauteur, il faut que je voie... Faut que je les voie. Il y a pas mal de plantes où je peux me cacher à l'intérieur. Yes. Là, il va commencer à s'enrager. Voilà. Il commence à tirer sur les yeux. Voilà, on va attendre un peu. Donc lui, il meurt. Par contre, il a tué tout le monde. Il a même tué le mec que j'étais censé tuer, moi. Merde. Ok, à mon avis, eux, ils sont un peu plus loin. Ça parle, ça parle. Lui, il vit trop longtemps. C'est chiant. Voilà. Alors, tranquillement. Prendre tout ce qu'il faut ici et là. Ah, mais il est là, il est à l'intérieur. Je vois que t'as toujours ton bon vieux croc d'acier, hein. Ah, par contre. Voilà, il y a des gens. Ah tiens. J'ai vu quelque chose. On ne voit vraiment pas. Ah, je le vois. Tu vois pas que je suis... Il a mis vachement longtemps à me voir quand même. Ils étaient pas tout seuls. J'ai fait assez vite apparemment.
D'accord, il bug un peu. Bam! Écoute, on va récupérer. Ah, non, dégageur. Ça fume et tout. Ah, c'est. Pourquoi j'arrive pas à la saboter? Ah, voilà. Voilà, et on récupère de la ferraille en plus. Je pense que là on est full. On est full ferraille. Après on les sabote au cas où, mais. Voilà, plus zéro. On est full ferraille. On a ce qu'on est venu chercher. On va se balader un peu pour voir. Hein. On ne sait jamais. On peut trouver des trucs qu'on n'a pas. Qu'on a, mais pas. Pas des masses. Ah, attends. On va en profiter. Bon, alors, construit. Ah, non, je suis fou ici aussi. Voilà. Ah, regardez, mais je crois que je suis plutôt bien dans tout, là, actuellement. Excellent travail. Ben, on a bien bossé. Ah bah attends, il y a un arbre là. Faut qu'on a fait. Faut qu'on a fait des carreaux. Hop. Voilà. C'est mon travail. Oh putain, ils sont beaucoup. Oh, j'ai dévié de la route. Aïe, oh, putain. Ah, ils étaient beaucoup. Ah, c'est la nuit, hein. Le pilote! Voilà, on rejoint la route, là on est bien. Putain, mais ça va pas à la tête. Mais putain, mais butez-les, vous êtes mille autour de l'arbre là, et vous les laissez me tirer dessus. Combien de balles, s'il te plaît?
Les mecs ils se prennent 15 balles et ils meurent pas, putain, c'est tellement chiant. Mais putain! Vraiment une crise de secours. Ça va le faire. Mais non, putain, con, va. Personne t'a dit de faire ça. La prochaine fois, nettoyer avant que j'arrive, hein, parce que c'est chiant. Je peux t'aider ? Eh, hey, je fais que regarder. Alors ? Tu l'as trouvé, cet enfoiré ? Ouais, j'ai son croc d'acier, conforme à la demande. Beau boulot. Je sais. Toujours été le seul sur qui je pouvais compter pour ce genre de truc. Je sais pas où vous êtes partis, Boozer et toi, mais ça fait plaisir de te voir. On n'est jamais bien loin, Tug. Et si t'as besoin de quelque chose, tu sais comment me joindre. Va voir Alkai, je vais te verser tes crédits. Bien, wouhou! 1500. Hé, hey, on est plus loin de, du level 2 avec Tucker. On est plus loin du coup. Et voilà, c'est terminé pour cet épisode. Je vous remercie d'avoir regardé. J'espère qu'il vous a plu. Je vous dis au prochain. Ciao, ciao.